a le pouvoir du vent maintenant. C'est parti. On va pouvoir passer la porte avec les trois orbes aussi, je crois. お姉ちゃんを心配するな。雪姫は必ず助け出す。楓、雪姫がどうしてこの子を可愛がっていたかわかるか。戦国大名の姫として生まれ、政略結婚の道具として育てられた雪姫には自由なんて一つもなかった。だから弱い者を見ると自分と同じように思え、放っておけなかったんだ。 L'enfant est devant toi. Donc dis pas qu'il est faible. C'est un peu triste. Soda, Mimar. Omaini Sekai Misetiaro. Sekai? Le monde avec la PlayStation 3, la PlayStation 4. Yonemae, Oreva Ojino Misihide Misimirare, Nihon Tobidasta. J'ai rencontré un occidental avec les cheveux blancs qui combattait les démons aussi. Yumemaru, sekai ni wa omae no shiranai koto ga ippai aru zo. Jiyū ga aru. Kibou ga aru. Sore wo takusan mite minna ni oshiete yaru nda. ちいさな領土を争って戦なんかしてもつまらねえってな。助けて。誰だお前は。ご正室、初姫様の腰元でぬいと申します。雪姫様が地下に。しっかりしろ。 残された時間はあとわずかだ。俺は雪姫を助けに行く。この腰元と夢丸を頼んだぞ。わかったわ。 On dirait qu'elle a perdu connaissance. On se retrouve où? Putain. Je crois qu'il faudrait revenir. Oh la vache. Faire l'attaque spéciale. Faudrait retourner en haut pour trouver les. Piou! Pour trouver des objets, je crois. Une elbe. Du coup, faudrait monter. Oh putain, faut que je retrouve encore cette échelle. Oh. Elle est où l'échelle? J'ai du mal avec cette échelle, hein. J'ai beaucoup de mal. Vent niveau 2. Non, on va pas avoir assez, non. Shit. Je... Thank you.
On va se balader. Vache. La caméra des fois elle aide pas mal. C'est un peu la galère. Mais bon, c'est les vieux jeux. Faut avoir des réflexes éclairs. C'était pas top. Ah non, c'est pas l'échelle que je veux, c'est la porte. Je fais de la merde. Ah bah voilà. Non, on est sur le bon chemin. Ça pour aller là, je sais même pas s'il y a quelque chose. Ah, s'il y a quelque chose. Balle explosive. Okay. Balle explosive, ça sert à quoi ça? C'est pour l'arquebuse. On a même un arquebuse. On se demande. D'où est venue l'inspiration pour Nioh? On se demande. On se demande vraiment. Putain, le tronc. Le dernier coup, je pouvais pas l'empêcher. Un arc et un arquebuse. Faut que je retrouve la porte avec l'orbe du vent. C'est pas voulu du tout. Merde. C'était pas voulu du tout. C'est pas là.
fou, il y en a deux. On va aller l'augmenter, l'épée. Je crois que c'est l'autre porte à gauche. Boop. L'Enryu a été amélioré. Ah, on a récupéré 10 balles quand même. Putain. Enfin, explosive en plus. Je me demande si on peut résoudre le... Ouvrir le coffre maintenant. Oh putain! Plus rapide. On va tout parier sur, sur la récupération d'âme, la démultiplication d'âme. On peut en avoir encore plus. Il y a encore un truc. J'ai eu du mal à trouver la bonne arme pour faire le, la bonne magie. Oh la vache! On a eu un bon boost là de... d'âme. Cool. Alors, quel est le clan soumis par les démons? Et faut... Alors, le clan des Oni soumis par les démons a conféré ses pouvoirs à un homme... Ce guerrier fort et courageux voue également une haine féroce aux démons. Alors, il faut écrire le clan des Oni, sûrement. Alors. Non, c'est ça ? Non, merde. Yes! Parfait. Ce jeu est super. Ah, la bonne vieille époque de la PS2. Il aurait pu tout simplement être Oni, c'était pareil. Mais bon, apparemment il fallait écrire le clan des Oni.
Eh bien. Ah oh, merde, putain. Shit. Voilà. Stay down. Lui, il peut plus absorber mon gantelet, en fait. Vu que j'ai l'armure qui protège. Merci. Plus 1000. Alors. Oh, vous avez absorbé suffisamment d'âme, le gantelet a été amélioré. Yeah. Augmenter ça à niveau 2. Ok, on a toutes les armes niveau 2, toutes les âmes. Enfin, pas les âmes, mais les orbes aussi niveau 2. On peut faire des flèches de feu. Comment on change ? Faut les équiper. Ah ouais, faut les équiper. D'accord. Ok. En théorie, il serait pas mieux d'utiliser des flèches de feu. Parce que les flèches de feu, on peut les crafter, mais pour les crafter, il faut les flèches normales. Donc du coup, tirer des flèches normales, c'est potentiellement tirer une flèche de feu qui est pas améliorée. C'est logique ce que je viens de dire. Au revoir, j'ai pas le temps. C'était là? Yes, c'est là. Foudre, feu et vent. Oh, c'est dégueulasse. Super gore, ces vieux jeux sont super gore au final. Parce que c'est des esprits m'empêchent de passer, d'entrer. Les morts hurlent de désespoir, ces âmes tourmentées interfèrent avec ma mission. Je dois trouver un moyen de leur apporter le repos éternel. Ah, dans ce genre de jeu, ça finit toujours en sandwich à un moment ou à un autre. Une herbe, on va pouvoir la transformer. Même la musique? Ouais, la musique! La musique est très 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 Resident Evil. Je suis entièrement d'accord.
Oh, les tentacules! Ah, trop de tentacules! Waouh! Wow. Livre orange. Pour honorer le contrat passé avec Nobunaga, nous avons libéré de grandes quantités d'énergie maléfique au château d'Inabayama pendant plusieurs jours. Mais il semble que les quantités étaient insuffisantes. J'en ai conclu qu'il fallait renforcer la barrière magique autour de la région du château d'Inabayama et envoyer plus de démons. Nous devons sacrifier une jeune fille née sur cette terre et dont le cœur est encore pur. C'est pas le cœur qui est pur, mais bref. Cette fille a été choisie, elle s'appelle la princesse Yuki. C'est une jeune femme aux longs cheveux noirs. Ses organes internes sont de toute beauté, son cœur en particulier. C'est magnifique. C'est une déclaration d'amour, en fait. Je ne cesse de penser à ses organes, ils sont d'une qualité exceptionnelle. Toutefois, si je profite d'elle, elle sera indigne du sacrifice et de la cérémonie noire. Si je profite d'elle, dans quel sens? Hein? Et si tel est le cas, je serai mangé vif par notre roi. Je dois y renoncer. Une fois la cérémonie terminée, toute vie dans la région sera anéantie. Nous ne manquerons pas de sujet d'expérimentation pendant quelques temps. C'est dégueulasse. Byako. Byako, c'est un tigre. Un livre vert. Est-il donc impossible d'obtenir le sang pur du sacrifice de la cérémonie noire et le rituel le plus sacré qui puisse être réalisé entre les démons et ces pitoyables humains? Au cours de la cérémonie noire, le roi des démons bénit le sang du sacrifice. Lorsque l'humain qui veut signer le contrat boit le sang dans un crâne humain servant de calice, il acquiert les pouvoirs du mal. Donc Nobunaga va avoir le pouvoir du mal. Personne ne sait réellement pourquoi ce pouvoir se transmet à l'humain au cours de la cérémonie. J'aimerais tant connaître la réponse. Suis-je donc le seul à vouloir comprendre? Si nous réussissons à élucider ce mystère, la connaissance que nous en tirerons nous permettra de faire évoluer l'espèce des démons de manière prodigieuse. Évoluer l'espèce des démons, c'est bizarre. Je crois être le seul capable d'expliquer ce mystère, pourtant... On me cantonne à des tâches stupides qui ne me rapprochent en rien de la vérité. Une seule goutte de sang suffirait. J'espère que Nobunaga ne voit pas tout le cours de la cérémonie. C'est de la poésie, c'est beau, c'est magnifique. Je crois que celui-là qui écrit les trucs, c'est le mec avec les cheveux tentacules, là. Ah ! Tentacule ! Ow ! Eh, c'est visqueux, c'est tentaculaire. Tiens, brûle. Et ça se dédoue. Oh. Me touche pas. Me touche pas. L'homme rêve de toutes les femmes. C'est l'homme parfait pour toutes les femmes, je crois. Où est-ce qu'on va? Donjon. Ah. Un collier. Rosaire des esprits. What? Rosaire des esprits. Cet objet de dévotion permet d'entendre les voix des âmes défuntes. Un Whisker Beast, yeah. Ow! Je me suis pris un coup de tentacule. Cloche de purification. Un piège à la région Tevin. Une cloche qui peut purifier les âmes maudites. Ça va être utile pour la porte. Ok. Pas mal. J'ai voulu passer en stylé, mais ça n'a pas marché en fait.
ça a pas du tout marché même. Ah! Avant ils se dédoublaient beaucoup plus parce qu'on faisait moins mal en fait. On les faisait tomber mais on faisait moins de dégâts donc ils mouraient plus lentement. Et maintenant vu qu'on fait beaucoup plus mal, ils n'ont pas vraiment le temps de se dédoubler. On a 4, on va les garder de côté. L'homme parfait c'est le Doom Guy. Ce n'est plus un homme. Qu'est-ce que ces esprits m'empêchent intérieurement? Il devrait sortir cette année Doom 2, non? Enfin, Doom Eternal. Je crois. La cloche. Oh! La porte est fermée à clé, la serrure était marquée à l'encre bleue. Ah oh, putain. Ah oh, oh, oui. Arrêtez de me toucher, arrêtez de se faire des attouchements comme ça, c'est pas bon. Ils aiment pas le feu apparemment. Ok, il nous faut le vent x2, on l'a. Un livre blanc. Ah, encore de la lecture. J'ai catégorisé les démons comme suit. Démons de classe inférieure, intelligence sommaire et immaturité. Ils n'ont pas l'usage de langage, errant de proie en proie à la nuit tombée, en mangeant parfois même leurs victimes. Ils respectent les lois du monde des démons et obéissent aux ordres des démons de classe supérieure et les servent leur vie durant. Extrêmement loyaux, leur comportement rappelle celui des insectes sociaux. Démons de classe moyenne, plus grande que les démons de classe inférieure, ils sont capables de communiquer à l'aide d'une sorte de langage primaire. D'après mes recherches, ils se comportent de manière sauvage et féroce, comme s'ils étaient guidés par un instinct animal. Démons de classe supérieure comme Fortinbra et moi, ces démons sont extrêmement intelligents et chargés de bâtir la civilisation supérieure. Selon mes calculs, le taux de cette natalité des démons de classe supérieure n'est que de 1 sur 100 000. Cela signifie que nous sommes les vrais élus. Nous sommes censés étudier les démons de la classe supérieure par dissection chirurgicale. Tâche presque impossible à réaliser tant que les cieux sont rares. Tu as au moins 100% sur le 1. Je pense même pas l'avoir, moi, le 100%. Oh la... Shit. Feu. Merde. Ah non, 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 attends, attends, il y a une âme. Merci. Il y a une âme pour ma vie. Hop là. «
J'avais essayé de commencer le mode là, si on meurt, on doit recommencer ou je sais plus trop quoi. Je fais le premier et le deuxième niveau, je crois. Après, j'ai arrêté. Oh non! Trop simple. Trop simple. Un QI de 210 au moins. On a la clé bleue. Apocalypse, tome 1. La cérémonie noire est un rite sacré du monde des démons. Au cours de cette cérémonie, les démons passent un contrat avec un humain. Teneur des sacrifices est indispensable au monde des démons. Pour compléter la cérémonie noire, une femme née sur ces terres et au cœur noble doit être offerte en sacrifice. Notre roi sanctifie son sang d'une bénédiction maléfique, puis verse le sang dans le propre crâne de la victime, qu'il tend à l'humain désireux de passer le contrat lorsque le dernier a bu le sang du contrat. Ce petit homme, il était laid comme un singe, il m'a dit la vérité avant que je meure. Mais de quoi parlait-il, cette chose qui absorbe les âmes? Une porte ou un portail? Biaque. Maintenant on peut parler aux morts. Donc ça aide. Okay. Ah! Elle était où la porte bleue? Ah, elle est derrière. Tada!様之助殿、やはりダメですかな。織田家使えるのは。黒い。仕方ないですな。あなたはまだ幻魔の本当の恐ろしさを知らないのだ。地の底にいる幻魔たちよ、いよいよ本番だ。暗黒儀式の準備をしろ。儀式の邪魔をする様之助殿には 地獄の苦しみをたっぷり味わっていただきましょう。今頃はあのくの一も。 Oh, il a ouvert les yeux. Une peluche de Doomguy. Il y a le magasin de Bethesda qui est en vente. Enfin, c'est pas des peluches. C'est Doomguy qu'on trouve dans le jeu. Ooh. Ooh. Oh. 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 Donc on est qu'à aider.
Classe. C'est comme Jill sur Resident Evil 1. On a la clé rouge. Oh! Yes, stylé. Boing, boing, boing. On peut les égorger, c'est classe. Après, je crois qu'on a d'autres... Oh, on a des kunai. Indispensable pour les shinobi. Excusez-moi. C'est où la porte rouge? Oh vache. C'est pas par là. Invincible en plus quand on égorge. Ah, c'est là. On va les zapper, hein, les démons. De toute façon, ça sert strictement à rien de les tuer. Là. C'est pas comme si elles récupéraient des âmes. Oh, okay. Les trailers de Eternal Doom, ouais, elles sont classe. Le trailer est vachement classe de Eternal Doom. Oh la poutée. Non! Yeah. On va t'aider, mec. Ah, le salon, on l'a aidé. Qu'est-ce qu'il dit? Le sol a tremblé et l'incendie s'est propagé dans la prison. Les monstres sont passés à l'attaque, sans doute pour s'emparer du trésor. Ou alors ils ont enlevé quelqu'un qui ressemblait à... Oui, c'était sûrement elle. On a récupéré un absorbeur d'âme. Permet d'absorber automatiquement l'âme des démons. On peut pas l'utiliser. Okay. C'est Eric. Bienvenue. Je vais ressortir Tenchu. Ah. Pas besoin, il y a le jeu de FromSoft là, qui arrive. Sekiro, dans pas longtemps. Où est-ce qu'on va? Droite ou gauche? Ah, il y a une sauvegarde là. Utiliser l'outil shinobi.
Où est-ce qu'on est? On va revenir, il y avait une porte. Je veux voir ce qu'il y a derrière la porte. C'est vrai que Sekiro a l'air cool, a l'air bien. Je suis content parce que ça a pas l'air trop d'être un Dark Souls en fait. Donc ça fait un peu chier, ça va. Ça va faire 10 ans qu'on bouffe du Dark Souls. Ça suffit. Non, en tout cas de ce qui est du gameplay et tout ça. Ça ressemble plus à Tenchu qu'à à Dark Souls. Qu'est-ce que c'est que ça? Kunai. Oh. Dans quel endroit mystérieux se réunissent le clan des Oni? Okay. Lorsque les démons retrouvent, le clan se réunira au gouffre des dimensions. Alors le gouffre des dimensions, c'est triangle, carré... Hein. Bingo.